Et bonjour à tous, c'est Bobfield, on se retrouve aujourd'hui pour du Starfield. Nous sommes sur la planète Aquila, dans la cité, et on doit aller buter des gangsters. Restez calme et laissez la police faire son travail. Bonjour, je vais reculer. Ah non, maintenant. Monsieur le Marshal. Sans vouloir être mal poli, on se connaît pas. Maintenant, reculez, s'il vous plaît. Eh non, je vais t'aider. J'aimerais pouvoir dire que vous avez tort. Mais je suis vraiment au pied du mur. Des types du gang de Shaw ont tenté de braquer la banque, mais ils ont été repérés par un garde. Ils ont pris tous les gens qui s'y trouvaient en otage et surveillent l'extérieur. On peut pas les attaquer. Ils utilisent l'intercom pour communiquer. Alors... Ils veulent pas me parler. Ils font pas confiance aux insignes. Ils veulent un négociateur neutre. En d'autres termes, ils avaient pas prévu ça. Et ils essaient de gagner du temps pour trouver un plan. Je vais négocier avec eux à coup de fusil à pompe, t'inquiète pas. On devra peut-être en arriver là. Mais je veux que vous leur parliez d'abord. Découvrez mais ce qu'ils non, veulent. C'est et pour revenez les m'en ça. Informer. Hé, hey, vous, dans la banque. Ouais. Ok, alors le jetpack me propulsait vers les cieux et me propulse vers le sol. Super. SOTV dit que la situation environnementale spatiale. Accroche-toi. Pourquoi tu t'accroches pas? J'ai un cousin qui est devenu handicapé, mon perso. Merde. Dit que c'est dangereux aussi. Bon, bah, attends que le jetpack se recharge. Vraiment. Tu serais beaucoup plus heureuse en regardant moins les infos. Vite à vie. Allez, on se recharge. Aide le mercail. Allez, on. Aïe. Pas d'entrée, sous-gardier ici, peut-être là. Il n'y a pas d'entrée quoi. Il ne reste plus qu'à regarder là-haut. Ah mais vous empêchez tout ce qui est marrant dans le jeu. Moi je voulais infiltrer la banque et les massacrer. C'est complètement nul ça. Bon. Alors comme ça, vous venez pour négocier? Si vous pensez que vous avez juste à vous pointer pour qu'on se rende, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Dans l'œil, ça fait mal, je peux pas me le mettre ailleurs. C'est... Oh, Jed, provocation. Jed Bullock. Ah... Alors, t'as vu? Comment est-ce que je peux savoir que vous serez réglo avec nous? Tu peux pas. Je vous connais pas. Votre parole ne vaut rien pour moi. Ouais, tu dis ça parce que tu es en colère. Ouah! On a connu des situations pires que ça. Ouais, mais... Être coincé dans une banque, on peut gérer. Je peux pas négocier avec. Ouais. Il me... J'imagine que vous avez raison. Regardez le nombre de trucs qu'il faut remplir. C'est plus de la persuasion qu'il me faut, il me faut ça. Calmez-vous. Putain, il est passé. C'est n'importe quoi. Ouais, j'en ai déjà plus que marre de cet endroit. Bon, je vois que vous n'êtes on a réussi, pas hein. Tout du Marshall. Vous voulez la même chose que nous. Une fin heureuse avec aucun blessé. Alors discutons. Ouais, ça. Ils parlent trop. Ils se plaignent de tout.
C'est pas l'envie qui manque. Ah ouais. Mais aucun n'a été blessé jusque-là. Ah mais je comprends, les otages sont toujours casse-couilles. Descendez-les. Nous voulons la garantie d'un accès au port spatial et un vaisseau. On libérera les otages dans un endroit sûr du système. Après ça, on vous donnera leurs coordonnées et le Marshal et son équipe pourront les récupérer. Mais si qui que ce soit nous suit lorsque nous passons en orbite, nous commencerons à les abattre. La Pola, elle en a des vaisseaux. Ils peuvent nous en donner un. Toute cette affaire a mal tourné. C'était censé être un coup rapide, propre, simple, vous voyez. Alors, essayons de garder la tête froide. Il n'a pas pris la bonne pilule. Parce que mes gars deviennent fous là-dedans. Je sais pas combien de temps on peut tenir. Qu'est-ce que vous voulez dire? On va essayer de lui mettre la pression. Le Marshal nous abattra peut-être, mais on emportera certains de ses hommes avec nous, je vous le promets. Ouais, bien essayé. Mais le gang de Shaw est impressionnable. Le Marshal est pas débile. Voilà. Il voudra jamais autant de sang sur les mains. Bon, je sais que c'est en rouge, mais bon... On ira jusqu'au bout. Allez dire au Marshal de préparer de toute façon, je vais vous descendre, moi. Partir sans blesser personne. Ah ouais, mais c'est ces mules. Moi, je veux les infiltrer, tous les descendre, et il n'y a aucun moyen de rentrer. Vous voyez, ça, c'est un petit peu le problème dans ce genre de jeu. Vous avez envie de les descendre? Non, non, vous n'avez pas le droit, faut les laisser s'en tirer, il faut négocier, il faut machin, non. On négocie pas avec des terroristes, on les désingue, c'est tout. Et vous voyez, il n'y a aucune entrée. Ces mecs sont morts de trouille, je le sens. J'ai entendu chacun de ces mots. Ils parlent trop fort. Une preuve de fatigue. La peur et la fatigue se font sentir. Ils arrivent plus à réfléchir. Ça nous met dans une situation vraiment périlleuse. Ouais. Voilà, vous avez raison. Descendre. Vous avez donné une chance à ces gosses. Maintenant, ils doivent assumer le chemin qu'ils ont pris. Le problème, exactement, c'est qu'ils nous surveillent constamment, mais gardez-moi. Si on essaye de donner l'assaut, ils nous verront venir. Vous vous portez volontaire? Vous avez du cran, c'est sûr. Mais je peux pas nier que c'est un bon argument. Ils s'y attendront pas. On peut la jouer de deux façons. Vous pouvez demander à voir les otages et une fois à l'intérieur, faire ce que vous avez à faire. Si vous agissez vite, vous devriez pouvoir les éliminer avant qu'ils aient une chance de riposter. Mais il faudra pas rater votre coup. Il y a aussi une porte à l'arrière. Leur attention se porte principalement sur le devant de la banque. Ils la surveillent certainement moins. Cette clé devrait l'ouvrir, si elle n'est pas barricadée comme celle de Voilà, mais pourquoi tu m'as pas donné ça dès le début? Tu m'as fait perdre un temps fou à négocier. Sécurité ici, c'est une vaste blague. Alors que j'aurais pu les dégommer direct. Oh là là, Bethesda, hein, franchement. Mais ce qu'on fait, c'est tuer des gens, on fait de l'action. N'est-ce pas? Ouais, je sais que vous êtes d'accord avec moi. Les otages, on s'en fout, on les connaît pas. Je m'étais baissé pour faire la discrétion là, ça l'a chuté dans le tas quoi. Ripley, sérieux. Avance. Ah bon, je sais que je la rate, elle était bonne du coup. Merci.
Ils sont déjà tous morts. Bon, bah du coup, j'ai pas pu tester l'infiltration, hein, merci RIP. Et les mecs, ils ont posé absolument aucune résistance. Ah, vous la sentez là, la déception, hein. Merci beaucoup. Mr. Crowley. Eh ben, si les gens ont la ref, là... Salut. Vous croyez que si j'ai des dessins, ils croient que c'est les braqueurs? Ouais, des sous. Oh, je peux pas les voler. J'aurais pu faire croire que c'était les braqueurs qui les avaient. Bon, j'ai vu un coffre, mais je suis pas sûr de pouvoir l'ouvrir, du coup. C'était quelque part par là. Voilà, c'est ça. Voler aussi, bon. Tant pis. Rien ne va. Ah, je suis déçu, franchement. Je voulais la jouer un peu infiltrée. J'ai toujours pas réussi à assassiner un mec dans le jeu. Alors, je sais pas si c'est possible, mais... Et c'est fini, la vieille. Stous, beau travail. J'ai entendu des bruits de lutte. C'est... Les otages, ils vont bien? Hélas, oui. C'est vrai? C'est triste qu'il ait fallu en arriver là. Mais vous avez sauvé des vies. Tenez, vous l'avez bien mérité. Vous nous avez tiré d'un sacré merdier. Vous manquez pas de courage. En fait, vous avez peut-être exactement ce qu'il faut pour rejoindre la Pola. Si ça vous intéresse, allez au rocher et demandez à voir Emma Wilcox. C'est elle qui s'occupe des nouvelles recrues. On verra, merci pour les sous. Alors nous, de toute façon, on n'était pas venu ici pour ça. On est venu ici pour la racine. Alors la racine, c'est ici. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai jamais demandé de faire ça. Jamais. Voilà. J'ai toujours pas de bonnes compétences. Parce qu'à l'origine, on est venu ici pour qu'un arbre puisse niquer. Hein. Ah ouais, c'est littéralement ça. Hein. On vient récupérer un site pour qu'un arbre puisse avoir des petits. Hein. Je sais qu'on dit que c'est... Vous avez envie d'un verre? Le randonneur propose une super bière. C'est normal que des objets inanimés se sauvent? Tu les traites comment? Ouah, souris pas comme ça, c'est hyper malsain. Comme double en os. Okay. Oh. Certains de nos artefacts. Bonjour. N'hésitez pas à jeter un œil. Cet endroit est là pour ça. Alors, j'ai besoin de voir ta grosse branche. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours. Je suppose que vous êtes lié d'une manière ou d'une autre à l'Union coloniale. J'ai reçu des messages étranges dernièrement. Les membres de la Confédération n'aiment pas trop le TAMS, ou l'UC en général, et j'ai tendance à partager ce sentiment. J'ai perdu quelqu'un pendant la guerre coloniale, vous savez. Dans ce cas, j'ai peur que vous ayez perdu votre temps, car je ne suis ni autorisée ni très enthousiaste à l'idée de donner l'une de nos pièces. Et ça comprend les branches d'arbres centenaires. Désolée, mais elle restera ici. C'est pas grave, je te dessine la main. Oh, mais voilà, mais tous les compagnons, ils nous empêchent de faire ce qui est drôle. Putain, mais Bethesda. Voilà, ça m'énerve. Bethesda ne nous laisse pas faire ce qu'on veut. C'est un livre, c'est un jeu en monde ouvert. On a envie de descendre quelqu'un, de descendre. Ouais, c'est bien. Bienvenue au musée du patrimoine de Co. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours. Je suppose que vous êtes lié d'une manière ou d'une autre à l'Union coloniale. J'ai reçu des messages étranges dernièrement. Il y en a beaucoup en ce moment. Vous faites votre travail, je suppose, mais je me vois mal accepter de travailler pour l'UC.
Dans ce cas, j'ai peur que vous ayez perdu votre temps, car je ne suis ni autorisée ni très enthousiaste à l'idée de donner l'une de nos pièces. Et ça comprend les branches d'arbres centenaires. Désolée, mais elle restera ici. Oh putain, mais ils sont pas sérieux dans le jeu, hein. C'est une branche d'arbre, ils vont me faire galérer pour une branche d'arbre. Et elle est où cette branche ? Oh putain, mais c'est un truc d'espère en plus, vous êtes sérieux ? Je vais devoir galérer pour une branche d'arbre. Bonjour, n'hésitez pas, je comprends bien, mais c'est malheureusement... Tout ça parce que je peux pas la descendre. Ça ne peut pas faire de mal, je suppose. Vous cherchez juste à m'embrouiller, là. C'est une branche morte, et sa place est dans un musée. Ouais, comme Indiana Jones, ils l'ont sorti du placard pour un film pourri, hein. Je ne suis pas une grande fan de Lucé, mais voilà. J'ai pas envie que des gens soient blessés. C'est vraiment pas croyable. Je vous en prie, rapportez-la en un seul morceau. Ouais. J'aurais pu la voler ou descendre, ça aurait été mieux. Mais voilà, non, il faut négocier avec les gens. J'ai pas envie de leur parler, je les connais pas, en plus elle est rousse. C'est un scandale. Non, blague à part, je trouve ça dommage que voilà, dès qu'on fait une action, votre compagnon se barre. Normalement, il y a un seuil de tolérance des compagnons, comme avec Sarah qui accepte pas, mais qui reste avec nous, elle se barre direct. Là, j'ai trouvé un alien, toi, tu vas voir. Amira Wolf, au bercail, au bercail. Ok. Ah, c'est super, tu peux pas grimper ça, non? Allez. Eh ben, ah, vous sentez qu'il est handicapé le personnage ou pas? Voilà, attends que le jetpack veuille bien se recharger. Ah, ça devrait le faire. Voilà. Ouais, je suis obligé de faire ça pour déverrouiller des rangs en fait. Hein. C'est hyper important. Bon, et de là, de toute façon, normalement, je peux aller directement. On s'en fout, ça, je t'ai pas demandé ça, je t'ai demandé de mettre le cap. Alors, on retourne ici. Voilà, c'est plus rapide. Bon, normalement, je pense que je suis pas obligé d'aller dans le vaisseau pour faire ça, hein, mais bon, ça fait un peu de roleplay. Un petit peu. Mais voilà, je suis déçu, j'ai pas pu infiltrer le gang en discretos pour aller descendre. J'ai été trahi par mon PNJ. J'ai pas pu descendre la femme qui gère le musée parce que sinon mon perso PNJ se casse. Laissez-moi jouer un peu comme je veux de temps en temps, non, je sais pas. J'aime bien descendre des gens, moi. J'espère qu'Aquila City a ce qu'il nous faut. Salut. Mais arrête de bouger, que je puisse te parler. Vous avez rendu visite à Madame Kassler à Aquila City ? Ouais. Oui, oui, bien sûr. Je veillerai à ce qu'elle lui soit rendue intacte. Enfin, peut-être avec quelques copeaux en moins. Maintenant, j'ai juste besoin d'un moment pour analyser ça et synthétiser une réponse pour notre ami Sylvestre. Très bien. Introduisons un échantillon. Maintenant, le programme va intégrer la composition génétique et chimique de l'échantillon en extrapolant la taille et la structure de l'arbre original. Tout ceci a été assemblé à la hâte. C'est impossible à toute précision, mais j'espère que c'est suffisant. J'ai un bruit, je ne sais pas ce qui se passe. Notre meilleur espoir pour une solution positive à tout ce chaos. C'est normal. Pointe sans arrêt ton arbre là, c'est dégueulasse, regardez.
Maintenant, nous avons une réponse simulée pour notre arbre. Il ne reste plus qu'à la lancer. C'est dingue que dès qu'il s'agit de reproduction, ça simule direct, hein, c'est... Oh. Ça m'étonnerait que vous puissiez atteindre le registre nécessaire. Il est bien trop grave pour les cordes vocales humaines. J'ai été forcé d'écouter les bavardages incessants de SOTV pendant tout ce temps. On pourrait en faire un meilleur usage. Nous n'avons pas le temps de passer par les canaux approprié. Mais si vous essaie de chanter, terminal et télécharger ceci que ça fasse un échec et qu'il nous explique ça. Mettez de l'humour dans votre jeu. Oh. Vous avez raison. Il pourrait y avoir quelques effets secondaires mineurs, mais rien de potentiellement mortel. Nous ne diffuserons pas l'enregistrement assez fort ou assez longtemps pour provoquer des blessures majeures aux humains ou à d'autres formes de vie organique. Et à part ça, si nous ne calmons pas cet arbre très vite, eh bien, je crains que les vibrations qu'il émet ne finissent par atteindre une puissance telle qu'elle pourrait sévèrement endommager nos organes internes. J'en doute pas. Ok, bon, je m'en occupe. À moins que ce soit illégal, ça me dérange pas. Hein. C'est eux, ça les gêne à chaque fois. Pas droit de faire ce qu'on veut. Hein. Méchant. Ah, mais attendez, faut que je prenne le métro. Ouais, j'allais partir là-bas derrière moi. Je peux y aller à pied au quartier commercial, mais comme je me perds extrêmement facilement, n'est-ce pas, hein, je préfère jouer à la sécurité. Hein. On a déjà été ici, me semble. Les habitants de l'Union coloniale. Alors, voyons. Diffusion. Ok. Ok. Bah, ça va. Ouais, tout le monde s'en fout et tout. Ça va. Hein. On dirait une ruche d'abeilles, c'est cool. Bienvenue, Watts. Si vous cherchez le meilleur morceau de viande des systèmes occupés, ah, c'est ne pour cherchez... manger. Bien entendu. Ouais, je peux lui vendre que du soin. Oh, bah, ça ne m'intéresse pas. J'ai pris le risque d'y aller à pied, je me suis pas perdu, vous voyez. Notez-le, c'est rare que le vol cible ne se perde pas. Les enfants étudient moi. Waouh. Ça va être les meilleurs. Faut pas qu'elle se soit sur vous, elle vous tue. Hein. Son arbre. Je vois déjà une réduction de la force des vibrations. L'arbre est en train de se calmer. J'ai du mal à croire que ça a marché. Il a une regard chelou, le mec, là. Eh ben. Je sais pas. Et maintenant. Nous sommes en territoire inconnu depuis le début. Et ça ne s'arrête pas maintenant. La crise étant résolue sur le court terme, je vais pouvoir ralentir et faire le point sur ce que nous avons appris. Et bien sûr, je garderai un œil plus attentif sur notre ami. À l'avenir. Et vous, vous avez sauvé cet arbre et fait progresser la connaissance scientifique de notre environnement. Un travail particulièrement admirable. Vous avez toute ma gratitude et celle de tous les citoyens de New Atlantis, même s'ils ne le savent pas. Si
S'ils savent pas, ils risquent pas d'avoir la gratitude pour moi, mec. Ah bah 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 bah. Bien, alors ça, c'est cool. On a plein d'autres quêtes alors. Hein. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Activité. Parler à la mermaid. Qu'est-ce qu'elle veut? Je peux la recruter, la mermaid? J'aimerais bien voir quelqu'un qui me voit de l'alcool dans mon vaisseau, c'est cool. J'ai l'impression qu'aujourd'hui va être une super journée. Vous êtes pas d'accord? Bien sûr que je suis d'accord. En plus, je viens de la sauter, alors... Cool. Oui, je sais, c'est pourri, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Ah, j'aurais peut-être quelqu'un d'autre à recruter, du coup. Je recrute plein de monde, moi. C'est un barbu. J'aime vraiment cet endroit. Je pense pas pouvoir. C'est bon de vous voir. À la prochaine. Okay. Ouais, je peux pas trop recruter, ça m'intéresse pas, c'est un barbu. Alors lui, il est stylé le chasseur, mais c'est pas une femme alors. Il restera J'espère là. J'espère que tout se passe bien dans ta vie. Ah, il faut que je te parle. N'hésite pas si tu veux quelque chose. Ben, je te veux dans mon équipage, vends-moi de l'alcool. J'espère que tout se passe bien dans ta vie. N'hésite pas si tu veux quelque chose. Tu l'as déjà dit, ma belle. Ouais. Le trafic du port spatial y est pas pour rien. Mais juste entre toi et moi, je travaille sur un truc qui va tout changer. Une nouvelle boisson qui rendra cet endroit célèbre dans toute la galaxie. Tu adorerais ça, je te le garantis. Seulement, je peux pas te la préparer pour l'instant. J'ai pas les ingrédients. J'ai passé un accord avec un transporteur pour qu'il m'apporte des échantillons d'un ingrédient qui fera toute la différence. Mais il s'est jamais pointé. Apparemment, le type bossait aussi pour d'autres gens. Le genre de client qui transporte des cargaisons moins légales. Les flics l'ont appris. Et ils ont confisqué toute la cargaison. Maintenant, ils la gardent au chaud sans rien faire, comme d'habitude. Ça m'énerve. Ah non. Oh, j'ai rempli toute la paperasse, crois-moi. Ça servira à rien, évidemment. Mais je l'ai fait. Et je suis même pas sûre que ce soit vraiment ça qu'il me faut. J'ai juste l'impression que c'est ça. Il faut que je récupère cette cargaison. Bon. J'ai mon PC qui affiche ding 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 et je sais pas pourquoi il enregistre comme il faut et tout. Bon. Ça doit pas être bien grave, on verra. Exactement. Tu fais un coup de main, je vais jamais réussir à dormir si j'essaie pas. Mais avant toute chose, et puis moi je veux. Je ne te demande alcool. En aucun cas de faire quoi que ce soit qui puisse violer l'une des très nombreuses lois en vigueur ici à New Atlantis ou dans toute l'Union coloniale. Je te demande simplement, en tant qu'ami, si tu ne pourrais pas trouver un moyen de récupérer une cargaison importante confisquée par les autorités. Et dans l'hypothèse où tu ferais ça d'une manière qui ne soit pas légale à 100%, bah, ce serait pas la fin du monde. Mais je vais te le voler, y a pas de souci. Mais bien sûr que je vais t'aider. Oh, t'as pas idée à quel point ça me soulage. Non. Évidemment, l'idée c'est de débarquer en tirant sur tout ce qui bouge et en prenant des otages. Non, il y a forcément un autre moyen d'obtenir ce que je veux. Reviens me voir quand tu veux. Non, mais il y a des choses importantes dans la vie. L'alcool en est. L'alcool, bonjour. C'est la cause et la solution à tous nos problèmes. Par contre, voilà, encore une fois, il ne valide pas la quête. Je suis obligé de retourner là-dedans pour lancer la quête. Du coup, enfin, même pas là, il faut que je trouve où elle s'est mise. Voilà, elle est là. Tu sais, ils peuvent pas me la valider d'entrée vu que je viens de dire oui à la barmaid pour la quête.
Ouais, pour moi, ça c'est un petit défaut du jeu. C'est pas un gros défaut de fou ni rien, mais... ça fait partie de ces petits détails... qu'il faudrait que Bethesda règle. C'est mon vaisseau qui ressemble à rien. Il est ici. Vous devriez pas traîner dans le coin. En quoi est-ce que je peux vous aider ? Alors. Ouais. On va essayer de le persuader. Je peux pas vraiment vous laisser entrer. Merci de vous mettre à ma place. Bah oui, je comprends. Je tomberai pas dans le panneau, vous ne passerez pas. Tiens, attends, je t'ai dit exactement la même chose. En plus, un, t'es tombé dedans et là tu me dis que je tomberai pas dans le panneau. Écoute, je voudrais bien t'aider, mais... Oui, j'espère bien. Bon, ok, mais ne dites à personne que j'ai fait ça pour vous. Vous pourrez me virer pour ça. Si quelqu'un demande, j'ai rien à voir avec ça, c'est compris ? Y a pas de soucis. Les gars, c'est Emily, laisse rentrer. Allez-y, faites vite, d'accord ? Eh oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs à prendre ? Parce que t'enquêtes là-dedans... Y'a rien ! Waouh ! Bon. Oh, pas de raison, je prends pas le risque. Merci, Ibine. Je te dénoncerai. Ah, il faut toujours que je mette mes boulots là derrière aussi. On va voir si je peux le faire de suite, tant que j'y pense. De toute façon, j'ai des choses à vendre aussi, on va en profiter. Ouais, un pisseau des sous. Non, depuis le vaisseau. J'ai rien dans le vaisseau ? Ah ouais. Du coup, il a la classe, hein. Fusil laser. C'est ça, moi, que j'ai un laser. Il est en 14. Et casse-toi, je vais équiper celui-là après. Kinox 3. Storm, ok. Alors, pensez à vendre régulièrement, hein, même si vous n'avez pas grand-chose, parce que... On cumule très vite pas mal de choses. Que puis-je faire pour vous ? Alors, tu vas attendre 2 secondes. Alors, l'Orion, favori. Ici. Voilà. Alors, il me faut. Et voilà notre nom, monsieur. Ok, pas de problème. Alors, constructeur. On a besoin de voir le cul du vaisseau. Voilà. Modifier. Alors attendez, je me... Voilà. Structure. Ben. Pas le bon ? Je peux pas mettre de hublot à l'arrière ? Ah ! Ok. Ok, c'est bon. Oui, mais c'est tout déjà ça, voilà. Voilà, ok, c'est juste parce que j'étais pas dans le bon sens. Voilà. Tout m'a l'air en règle. Je serai dans la boutique si. Comme ça, j'ai des hublots à l'arrière du vaisseau. Et ça, c'est cool. Mais bon, c'est vrai que j'aimerais avoir un laboratoire, un tapis à combinaison, en fait, tout ce genre de choses dans mon vaisseau. Mais je pense que ça se déverrouille plus tard dans le jeu, en fait. Faut que j'améliore considérablement mon vaisseau pour ça.
c'est bien, on aura quelque chose de fou à la longue. Sans vouloir trop insister, t'aurais pas retrouvé ma marchandise? Salut, la nouvelle. Bah si. J'espère que tout se passe bien dans ta vie. Hésite pas si tu veux quelque chose. T'as un problème, je crois. Non, mais bon. Pas possible. Tu l'as récupéré? J'imagine. Bien sûr que je l'ai récupéré, savoir c'est ce de que la tu colle. Fais pour l'avoir, c'est ça? Enfin, je veux savoir. Mais c'est peut-être mieux comme ça. J'espère bien que non. Ouais, ce truc est pas. Super important pour moi. Mais ça vaut pas le coup de tuer des gens pour ça. Écoute, je peux t'assurer c'est que tout colle, ça en vaudra la peine à la fin. D'ailleurs, je vais même te laisser goûter au tout premier échantillon. En plus oh. de ça, t'auras droit à des boissons gratuites. Enfin, pas vraiment. Oh. Mais si tu veux un petit remontant de temps en temps, je suis là pour toi. J'ai besoin de bah temps oui, pour travailler carrément. Sur la suite. Mais ça, c'était la partie la plus difficile, je pense. Vraiment, merci beaucoup. Je t'en prie, ma belle. À plus tard. Bien sûr. Bon, voilà, on a débloqué les boissons gratuites dans le jeu de temps à autre. Waouh. Excusez-moi. Un peu trop cruté. Non. Ah, j'avais besoin d'un monstre dans l'équipage. Bien, alors voyons. C'est quoi ça? Miralov au bercail. D'un inconnu. Parler à Vladimir. Retourner sur Vectera. Alors on va faire ça. On va faire ça, mais dans une prochaine vidéo. Ouais, parce que j'ai une grosse journée aujourd'hui. En ce moment, j'arrête pas, les amis, c'est un truc de fou. Mais c'est pour votre plaisir. En fait, je suis en train de faire en sorte que mon TikTok évolue un peu plus afin de vous faire des lives sur TikTok, ce qui est via mon matériel plus simple en réalité. Là, j'ai malheureusement pas de matériel optimal pour faire des lives sur YouTube. J'y travaille parce que j'ai hâte de vous faire des lives sur YouTube. J'espère pouvoir en faire très vite. Mais bon, voilà, financièrement, hein, ça pêche un peu. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse liker un maximum. Vous abonner à la chaîne. Pensez à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je compte sur vous pour mettre un maximum de commentaires. Tout ça, ça aide énormément au référencement de la chaîne. Donc je compte sur vous. Et nous, on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Allez, bye bye et portez-vous bien.